présente, Jacques Benty, antisplasticien. Je viens de l'île de la Réunion. Et donc, je présente ici, à la Casa d'Africa, 14 œuvres qui parlent de mon œuvre, de mon art. Et donc, c'est toute une recherche qui s'est passée pendant plusieurs années. Et donc, de l'île de la Réunion d'abord, où j'étais étudiant. Ensuite, je suis venu à Paris pour essayer de trouver dans les archives françaises la véritable histoire de notre île. À partir de cette recherche, j'ai commencé à établir toute une recherche en dessin et également en forme, etc. Donc j'ai commencé à travailler et à mettre en position les corps, parce qu'il s'agissait bien sûr de trouver quelque chose qui était lié à la vie des hommes à partir de la colonisation française, puisque les esclaves ont été apportés, arrachés de l'Afrique, de Madagascar, pour peupler la Réunion, qui était une île déserte au départ. Et donc à partir de ce moment, j'ai élaboré tout un travail de mise en scène du corps. Et ce corps qui a été transporté dans des navires, qui était transporté à l'horizontale et qui souvent ont été jetés par-dessus bord, écrasés, cassés, et que ce soit les hommes, les femmes et les enfants qui devaient venir justement pour travailler la canne à sucre à La Réunion. Donc c'est une question qui était posée, c'était la colonisation, elle se réfère surtout à l'économie de la France au travers de la colonisation de l'Afrique, de Madagascar et des îles de l'océan Indien. À partir de ce constat historique, j'ai commencé à établir, quand je suis revenu à La Réunion, tout un travail sur ce corps. Qu'est-ce que le corps à La Réunion? Qu'est-ce que le corps dans les îles qui ont connu la colonisation? Et bien, c'est un corps que je devais, moi, en tant qu'artiste, remettre debout, puisque les corps ont été jetés dans l'eau. C'est pour ça que nous considérons l'océan comme un linceul, comme un cimetière. Et à partir de cet acte de résistance, en tant qu'artiste, j'ai voulu utiliser des symboles de ces gens qui ont lutté. Et c'est pour ça que la problématique que j'ai eue, moi, au départ, dans ma création, c'était de remettre le corps debout. Donc que ce soit un corps qui revendique quelque chose, un corps qui dit quelque chose. Donc avec toutes les blessures, dans certaines installations qu'on voit ici au musée et qu'on verra également au CAM, on sent très bien dans la présentation des corps, un corps blessé, ravagé, détruit, mais qui se tient debout. C'est le sens même de cette résistance qui est importante pour moi. Nous avons à défendre toute notre identité, notre histoire et bien sûr regarder le futur et savoir dans quel sens nous allons pouvoir nous poser par rapport au développement de l'Europe. On ne rejette pas l'Europe, mais l'Europe doit nous écouter, l'Europe doit nous comprendre.